Dans son discours de politique générale, Manuel Valls fait de la transition énergétique, de l'écologie, une priorité. Vous vous réjouissez de cette sortie ou vous attendez des mesures concrètes ? Alors d'abord, je m'en réjouis. J'ai beaucoup bataillé pour ça. Ça conforte les positions que j'ai défendues. Moi, je crois vraiment que c'est la nouvelle espérance, que c'est aussi ce qui peut être un levier de relance de l'économie française. Donc c'est très important. La façon dont effectivement dans le discours d'aujourd'hui, ça a été placé à un haut niveau de priorité, et c'est ce que j'attendais. Ensuite, j'allais dire, je sais et je suis suffisamment avertie pour savoir que le plus dur commence. Concernant la baisse des charges annoncée sur les bas salaires, vous jugez que c'est une sortie de nature à rassurer les entreprises et à préciser les contours du pacte de responsabilité ? Moi, ce que je veux soutenir aujourd'hui en votant la confiance, c'est d'abord une remise en mouvement, un nouvel état d'esprit, un nouveau dynamisme. Après, dans le détail, que ce soit sur le pacte de responsabilité, que ce soit sur le programme de stabilité budgétaire, que ce soit sur la nouvelle donne territoriale, mon exigence, c'est de pouvoir débattre. Et c'est ce qui a été dit aussi dans le rôle qu'allait jouer de nouveau le Parlement. Par exemple, d'un point de vue économique, aujourd'hui, moi, je suis convaincue qu'il faut aider les entreprises, notamment en matière de relance de l'investissement. Le geste à destination des classes les plus modestes concernant le pouvoir d'achat, est-ce que c'est de nature à vous réconcilier avec votre électorat qui vous a infligé un camouflet électoral au municipal ? Je crois que la colère des Français est beaucoup plus profonde que ça. C'est pas une mesure qui va régler les problèmes. C'est la question fiscale qui est l'impact notamment des changements de catégorie fiscale de Français modestes, en particulier retraités qui sont devenus imposables, qui a eu l'effet que j'annonçais d'ailleurs dès le mois de septembre dernier d'un véritable tsunami électoral. Donc je pense que la question pour les Français, il y a un vrai problème de pouvoir d'achat aujourd'hui dans le pays, c'est évident, mais l'attente elle va bien au-delà simplement d'une mesure, aussi bonne soit-elle, et ça faut être aussi lucide là-dessus.